le gel des pensions jusqu'au 1er octobre 2015. Donc c'est la défense du pouvoir d'achat, puisque les pensions ne seront pas revalorisées avant, si elles ont lieu, le 1er octobre 2015. Ça fera 30 mois sans revalorisation. Les sociétés deviennent contribuables chaque année avec perte d'avantages, redevances télé, aides au transport, impôts locaux, taux de CSG. On se bat pour nos pensions qui n'ont pas été augmentées depuis 2 ans et demi. Et on souhaite pour 2015 avoir une augmentation, mais c'est moins certain parce que le gouvernement il est tellement changeant qu'on ne peut pas, on peut plus leur faire confiance. C'est un gros ras-le-bol des retraités, hein, puisque la pension des retraités en moyenne est de 1200 euros par mois, hommes et femmes. Et donc, on ne peut pas dire que les retraités sont des nantis. Hein. Ils ont travaillé toute la vie, ils ont cotisé. Et donc, ils doivent recevoir le juste fruit de leur travail.